Yo les gars, je suis rentré de Colombie et vas-y, j'ai là les trucs à vous dire. Genre attendez, je vais vous poser là et je vais tout vous raconter de A à Z, ok? Ça va vous ou quoi? Putain, mais vas-y, ça fait v'là le temps aussi que j'ai rien posté. Mais les gars, entre YouTube, TikTok et Instagram, vous vous rendez compte? Je vais vriller, je vais péter mon crâne. Faut que je me ressaisisse. Mais plus sérieusement, j'ai beaucoup filmé en Colombie, donc voici le premier vlog du jour où on est tombé en panne en voiture dans une montagne, dans la jungle, un soir de pleine lune. On peut plus faire demi-tour. On a crevé. Il y a des gouttes ici, la voiture est brisée. Attention, j'ai un truc dans le fiac. Regarde, touche ici. Mais je vais pas toucher ton fion là. Ah, et merci HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça régale par rapport à la nourriture. Si tu connais pas HelloFresh, ça permet de te faire livrer des repas avec des ingrédients frais directement chez toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre sur le site internet d'HelloFresh et choisir pour combien de personnes et le nombre de recettes que tu veux. Il y a des nouvelles recettes chaque semaine. Et tu reçois directement chez toi une box avec tout ce que tu as besoin pour faire la recette. Personnellement, j'aime pas trop faire à manger, ça me donne envie de mourir en fait. Mais en suivant la recette d'HelloFresh, c'est super simple, rapide et franchement, à chaque fois, c'est délicieux. Et ça, ça me redonne goût à la vie. Là, par exemple, Roman nous fait des délicieuses pâtes rôties du soleil et franchement, regardez-moi avec quelle facilité elle exécute le plat, c'est bluffant. Mais regardez-moi ces bons produits frais. Donc si tu veux essayer HelloFresh, t'as 85€ de réduction sur les 4 premières box, plus 3 cadeaux de surprise. Pourquoi moi j'ai pas de surprise? Tu peux cliquer directement sur le lien en description, c'est sans engagement et tu peux stopper quand tu veux. Donc merci encore HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire. Avec Jan et Roman, on voulait aller à une cascade à 1h de notre hôtel, alors on a décidé de louer une voiture et d'y aller. Mais au fur et à mesure, la route devenait de plus en plus petite, à tel point qu'on pouvait même plus faire demi-tour. On est sur une route, quoi, qui n'est pas vraiment une route finalement. On est en train de gravir une montagne, mais regardez les gars, on peut pas faire demi-tour, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Là c'est fini, on peut plus faire demi-tour. Vous pensez que c'est là? C'est trop mal. Il y aurait des pancartes, des trucs, c'est super connu. Comment était? La voiture est restée bloquée, on pouvait plus avancer. Romane, elle est descendue de la voiture, elle fait tout à pied maintenant. Le gars il vient dire, toi amigo, c'est loco. Non, un baiser. Même pas de cascade roue. C'est un truc de permaculture. Ah donc on a fait ça pour rien? Exact. Il y a des gouttes ici, la voiture est brisée. On doit repayer la voiture. Pas survivre. Il y a littéralement des heures de route. C'est moi derrière. Je vais pas vous laisser là, faut qu'on monte. On n'a pas le choix. C'était une mauvaise idée, certes. Maintenant il faut qu'on monte, on n'a pas le choix. Pourquoi tu te tues en fait? Il est pas content. On a crevé? Non, arrête. Si, on a crevé. Il y a l'ampe. You guys are taking the small car up here. 4K. I don't know. Differente coche. On a niqué la caisse. 100%. Arrête de dire ça. Même mais si tu c'est sens vrai. Il faut qu'on descende vite, qu'on aille à un garage avec cette voiture tant qu'on peut l'utiliser. Sinon, on va être obligé de l'abandonner là. Range ton téléphone dans un. Mais non, c'est le meilleur moment du voyage. Donc je le filme. T'attendais que ça, toi. Dilemme, est-ce que tu veux passer un nombre d'heures indéfini à monter ou un nombre d'heures défini à descendre? Mais est-ce que de toute façon la voiture, il faut qu'on fasse demi-tour, on va pas abandonner la voiture. Jamais je rentre dans ce truc là, hein. Ce taco, t'as vu quoi? Il perd des gouttes et des gouttes d'huile. Bah oui, regarde, ça continue. C'est très possible qu'elle explose face en Fast and Furious dans pas longtemps, hein. Je crois que c'est la première fois que je suis autant perdu. On est en haut d'une montagne. Je sais. Sans voiture. Je sais. Les animaux sauvages là-dedans. Écoute. Genre, il manquerait plus qu'on se fasse courser. Par une panthère. Un singe complètement fou. Il y avait un panneau. Attention, fuma. Ouais. Ah ouais, super. Qui pense qu'on va s'en sortir? Qui pense qu'on va rester assez de nuit? Mais non. Voilà ta nouvelle résidence, c'est ici qu'on va rester toute notre vie. La voiture marchait plus, mais heureusement on a trouvé un lieu plutôt pas mal pour démarrer une nouvelle vie. Et même ta nouvelle maison? On va devoir s'habiller avec des feuilles comme ça. En bambou? Ouais, voilà où on est perdu. Oh my god. Jamais je vais sur le filet. Quoi? Roman! On va faire une belle photo déjà. Arrêtez! Roman! Arrêtez! T'es capable, tu y es là. Ça y est, tu y es, genre je peux rien maintenant. Voilà. Mais non, absolument pas! Roman, arrête, s'il te plaît! Mais elle fait rien? Roman, arrête! Encore un peu? Arrête, Vincent! Attends, vas-y, je fais une photo. 3, 2, 1, photo! Putain, tais-toi. J'ai peur. Vincent, s'il te plaît. Vincent, j'ai peur. Je reviens pas que j'ai fait ça. Mais Jan a mis tellement de temps sur le filet que la nuit a commencé à tomber. Heureusement, on a trouvé un endroit où passer la nuit. Finalement, on va dormir dans c'est comment ça s'appelle ça? Donc on dort dans un yaourt, un petit yaourt ici, tranquille, ça va être bien. Hein. Mais n'oublions pas notre objectif, je pense que vous l'avez oublié, en tout cas moi je l'avais oublié, la cascade. Alors le lendemain on a changé de voiture, direction la cascade. Du coup on va descendre avec ce gros truc là. Oh, je filme pas
pas bien tout à l'heure, c'est en train de me faire vriller. Pourquoi je filme pas bien? Je filme bien, la tête de worm. Ouais, c'est en diagonale, il y a un format diagonale qui existe. Je me suis toujours engueulé par Jeanne, tout ce voyage, je me suis fait engueuler par franchement, j'en ai marre. T'as quand même une compile de tous les off. Et c'est pas un off, tous les moments où tu m'as engueulé, ça va être dans le vlog. Ah ouais, bien mis en avant, trois fois en replay. Ok, filme correctement parce que déjà que tu filmes pas bien de base, après on va faire ça. Mais là, comme d'habitude, les gens ils ont l'habitude de vomir devant mes vlogs, ils vont continuer à vomir. Ils me regardent pour ça. Mais sois poli déjà, dans une voiture on enlève toujours son chapeau, t'es une baiser. Mais qu'est-ce qu'on est parti se foutre en haut d'un talus comme ça? J'aime pas. C'est un chemin pour les tigres à la base. Ah mec, c'est une Renault, tu sais, déjà c'est une voiture française, qu'est-ce qu'il fait là, tu sais? Bah ça ferait une bonne pub pour les Renault. Hein. Elle est explosée quand même, la Renault non plus. Renault, envoyez-nous une nouvelle voiture. Envoyez 7 au 444. 7 au 444. Mais non, je parle à Renault là. Ah, c'est vrai. Renault, envoyez-nous une voiture maintenant. En hélicoptère. Putain, j'ai un truc dans le fiac. Regarde, touche ici. Mais je vais pas toucher ton fion là. Mais je te dis pas de toucher mon fion, je te dis de toucher le truc qui rentre dans le fion. C'est quand qu'on descend sur cette putain de montagne? Mais là, on descend en ce moment même. C'est quand qu'on est en bas? J'ai des heures cette inscription. Eh, vous me marchez sur les pompes là. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds comme ça, John. Donc ça m'a donné un flashback que quand j'étais petit. C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi? En fait, je crois que je viens de me rendre compte que je peux voir dans le futur. Il y a un panneau, attention sirène. Non, attention baiser. C'est quoi ça? C'est un baiser. Est-ce qu'il y avait un panneau en même temps? On aurait dû s'en douter. C'est loin, ça vient. Mais les gens qui font ça à pied, je dirais pas ce que c'est, mais c'est des baisers. C'est le mot du voyage. C'est beau ça. C'est un beau mot, je crois. Ça me fait chialer. Oh, rivière. Ouais, wow. C'est pas ouf. Putain, la flaque d'eau quoi. Tout ce voyage pour voir ça. Vous nettoyez tout avec mon pantalon en fait. C'est quoi ce délire, genre? J'ai pas le torchon du voyage, ok? Attends, j'ai grandi une manche. Je vomis sur toi direct. Tu peux être ma priorité. Là, c'est en temps. Je tombe dans la casquette. Oh, y a une poule. Je sais pas reconnaître des animaux. Ouais, bah c'est un truc qui vole quoi. Un pigeon, un truc comme ça. Eh, Vincent, imagine les groupes de touristes composés de gens comme ta maman. Ma maman, c'est une baiser, tu la connais pas. On monte depuis combien de temps là? Au moins 6 heures. Non, au moins 5 minutes. On m'aide un peu plus. Je vais mourir. Allez, venez, on est plus très loin. J'ai envie de manger une poutine. Je vois des mirages. On y est presque. Vous allez réussir. Le plus grand défi de votre vie. Et vous êtes capable? Oui. Montrez. Oui. Que rien n'est insurmontable. Oui. Que tout est possible. Non. Ah, il reste encore une montée en plus. Oh non, je vais mourir. Et finalement, après 2 jours, on a enfin trouvé la cascade. Et on est resté 5 minutes. Et Roman, c'est fini, on est sur la route normale là, c'est terminé.